Clair avec quelques nuages, 30 degrés Celsius, c'est le temps qui fait exactement. À Kinshasa, avec un faible risque de précipitation à 20% demain dans la matinée à travers la capitale. Mesdames et messieurs, merci d'être des nôtres dans cette grande édition vespérale de ce 29 septembre 2021 depuis Kinshasa, capitale des RDC, d'où nous émettons. Mais bien avant, on prend les titres. Les dossiers RAM, registre des appareils mobiles, étaient chauds ce mercredi 29 septembre à l'Assemblée nationale qui a invité le ministre des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Kiba Samaliba, pour s'expliquer au sujet d'une taxe perçue depuis plusieurs mois auprès des détenteurs des téléphones mobiles. Au mois de novembre de l'année en cours, soit 2021, la République démocratique du Congo va abriter un dialogue de haut niveau avec l'UNESCO pour renforcer la gratuité de l'enseignement à travers toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le Sénat, la Chambre des sages, comme la Chambre basse ou l'Assemblée nationale, doivent conjuguer leurs efforts pour augmenter les crédits du secteur éducationnel en République démocratique du Congo, tel est le vœu de Modeste Bahati Lukwebo, président de la Chambre des sages du Parlement en République démocratique du Congo. Les détails dans cette explication signée Eric Isami. Les questions liées à la gratuité de l'enseignement primaire telles que consignées dans l'article 43 de la Constitution et matérialisées par le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo seront au centre d'un dialogue de haut niveau à Kinshasa. L'information a été donnée par Bahati Lukwebo, président du Sénat, par le représentant pays de l'UNESCO, Jean-Pierre Il-Boudo, mardi 28 septembre 2021. Ces assises qui se tiendront au début du mois de novembre seront une occasion pour l'UNESCO de sensibiliser les députés et sénateurs, autorités budgétaires, à voter un budget conséquent en faveur de l'éducation nationale en vue d'une bonne mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement qui nécessite plus de moyens pour un enseignement de qualité. Bahati Lukwebo, professeur de son État, a encouragé l'initiative avant d'exprimer le soutien de son institution à cette démarche qui va dans le sens de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui veut que chaque enfant congolais ait accès à un enseignement de qualité. On se retrouve à faire en sorte que les sénateurs et les députés soient sensibilisés sur les moyens qu'il faut pour cette gratuité, parce que ça demande beaucoup de moyens. Nous avons le problème d'accès. Nous avons des classes qui sont jusqu'à 100 élèves. Il faudrait peut-être construire plus de classes, pas peut-être, mais sûrement. La question de la qualité. Et là, c'est le deuxième engagement de la directrice générale, la formation des enseignants, formation initiale des nouvelles unités, mais également la formation continue de ceux qui sont déjà dans le système, en utilisant aussi les potentialités qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le président du Sénat a par ailleurs eu des échanges avec les ambassadeurs de la Tanzanie, Paul Ignace Mela et Janice Mbayihimba de l'Ouganda en République démocratique du Congo. La diplomatie parlementaire a constitué l'essentiel des discussions entre ces hommes d'État. Restons dans les allées du Parlement en République démocratique du Congo à la représentation nationale. Tout à l'heure, c'est mercredi 29 septembre 2021, Augustin Kiba Samaliba, ministre des Postes et Télécommunications et Nouvelles Communications et Technologies, était devant la représentation nationale pour répondre à la question orale du député national Claude Missaré concernant bien sûr la perception d'une taxe perçue il y a cela quelques mois pour les utilisateurs de la téléphonie mobile en République démocratique du Congo. On fait le point avec Mathurin Dailambouch. Les dossiers RAM,
registre des appareils mobiles était chaud ce mercredi 29 septembre 2021 à l'Assemblée nationale qui a invité le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication Polytechnique Kibasa Maliba pour s'expliquer au sujet d'une taxe perçue depuis plusieurs mois auprès des détenteurs des téléphones mobiles. C'était à la suite d'une question orale avec débat initié par le député national Claude Missaré qui a démontré que la taxe est illégale. Après l'exposé du ministre Kibasa Maliba, l'initiateur de la question et plusieurs députés. Pour ce qui concerne notre question orale, je ne crois pas une seule seconde à l'argumentaire d'une rémunération quelconque dont le ministre s'est fait prévaloir. Puis-je donc savoir sur quel texte le ministre s'est basé pour imposer la population ? S'agit-il d'une taxe ou d'un impôt ? Et de deux, il y a lieu de relever la question de double imposition ou triple imposition. Tenez, en une année, si on change de téléphone trois fois, la RAM impose trois fois. En pratique, il s'agit d'un impôt. Or, la Constitution dit qu'on ne peut créer d'impôt qu'en vertu d'une loi. En sus, honorable président, comment sont utilisés les fonds de la RAM ? Le bureau de l'Assemblée nationale a alors enregistré 76 demandes de parole, mais suite à une motion d'ordre du député Baudouin Maillot, les députés ne se sont plus exprimés. Le ministre de PTNTIC va revenir dans 48 heures à la plénière afin de tenter de rencontrer l'assentiment des députés nationaux. Mais ces derniers semblent unanimes face à la taxe RAM décriée par l'ensemble des couches sociales. Elle est à la base de la grogne sociale depuis 2020, plusieurs mois, à travers toute l'étendue de la RDC. La perception de la taxe RAM, registre d'appareils mobiles, pour lutter contre les appareils contrefaits et sur toute l'étendue de la RDC. Explication, Sylvain Kapombo-Bosengele. Initié depuis fin 2020 par le ministre Kibasa Maliba Augustin, qui s'occupe des postes, téléphones, nouvelles technologies de l'information et de la communication, PTNTIC, les services des registres et des appareils mobiles RAM est perçu comme une nébuleuse par les Congolais qui souvent n'arrivent pas à bien cerner son utilité réelle dans la communauté. En effet, de nombreux Congolais estiment que les explications leur fournies par l'autorité de régulation des postes et télécommunications RPTC ne tient pas la route. Cette structure est rattachée à la présidence de la République et dans l'opinion, il est dit que le RAM a été instauré pour sécuriser les appareils au point que, lors du vol par exemple d'un appareil cellulaire, l'RPTC va aider à vite les reprendre. Les jours passent, les mois et bientôt l'année, et les Congolais qui ont perdu leur téléphone n'ont pas toujours bénéficié de l'aide de l'RPTC pour les reprendre comme promis. Et la population continue à voir les unités être retirées sans une autre forme de procès. Mais la question demeure, que gagnent les Congolais quand ils payent la taxe RAM ? Une taxe inexpliquée, l'autorité indexée Kibasa Maliba garde encore un silence total. L'affaire a intéressé les élus députés nationaux. Juvenal Munobo, élu de Walikale au Nord Kivu, a initié une question orale avec débat à ce sujet. Mais toute la session parlementaire de mars 2021 est passée sans que le bureau Mboso Kodiampoang n'aligne cette question pour en débattre en plénière. La taxe RAM est-elle une bonne chose pour ces moments-ci en République démocratique du Congo ? Chacun a sa réponse. Mais visiblement, pour les autorités qui ont promis l'amélioration de la vie sociale, cette taxe vient contredire toutes ces promesses, car elle coupe les crédits d'appel de la même façon que vous soyez ministre, député ou maman maraîchère. Dur, dur. Nous allons prendre à présent la réaction de la population à propos de la perception de la taxe registre d'appareils mobiles avec Plamedi Nkoulou et Patrick Borel Mukendi Mwadianvita. Pour ou contre le registre des appareils mobiles en République démocratique du Congo,
La population dit un non catégorique à ces taxes perçues sans obtenir une quittance en retour, encore moins un quelconque service positif de la part de l'État congolais. RAM provoque la colère et malgré la série des plaintes égrenées au sein de la communauté par les usagers des téléphones, l'autorité établie ne fournit aucune explication claire. Je suis victime de ces services. Figurez que nous autres qui avons des SIM, dans les SIM, dans les téléphones Android, on vous coupe chaque fois beaucoup d'unités, vous mettez des unités, on le prend. Donc je suis vraiment victime et je suis désolé avec ces services. Imaginez-vous dans un pays sous-pauvre, vous retranchez au peuple congolais ce qu'il a de minimum, 1 dollar, 2 dollars ou plus. Ce n'est pas opportun à mon avis ces services. Ce qui est important, c'est d'améliorer les conditions de vie des Congolais. À l'Assemblée nationale, les députés UNC Juvenal Mounoubo avaient adressé une question orale avec débat depuis la session de mars 2021, mais son initiative est restée prendre de la poussière dans les tiroirs du bureau Mbosonko Diampuanga. Je demande aux autorités qui s'occupent de ces choses qu'ils prennent au moins un temps à communiquer à la population congolaise sur si c'est son importance, que les gens sachent son importance et s'il faudra le faire. Pourquoi pas enlever peu d'unité pour que la population ne se sente pas un peu lésée à ça. L'autorité numéro 1 de l'RDC a promis d'améliorer les conditions socio-économiques de la population et à ce sujet, la taxe RAM a lui seul contredit toutes ses promesses d'espérance d'une vie meilleure. Autre chose à présent, la planète tout entière célèbre ce jour du 29 septembre 2021, la journée internationale contre la rage. En Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur, aucune manifestation, mais notre permanent sous place, José Mazao Sukuma, a pris la main d'un docteur, de surcroît un virologue. Il s'agit du docteur Valérie Ndengue qui nous définit les concepts et explique l'état de lieu de cette maladie dans ce coin de la RDC, plus exactement dans la ville de Mbandaka. L'humanité tout entière a célébré ce mardi 28 septembre 2021 la journée internationale contre la rage. Chaque année, environ 60 000 personnes meurent de la rage dans l'extrême souffrance à travers le monde, une grande majorité étant des enfants mordus par des chiens. La rage est encore présente dans certains pays qui relèvent de nombreux cas de rage chez les chiens directement responsables de la transmission vers l'homme. Les cas de la ville de Mbandaka. Or, la vaccination d'au moins 70% des chiens pourrait interrompre le cycle de transmission des chiens et vers l'homme. Docteur Valérie Ndegue, la virologue, nous décrit la rage avant d'en faire un état des lieux à Mbandaka. Alors, comment cette pathologie se manifeste? La rage, au début, il y a des symptômes comme des symptômes de la grippe. Par exemple, le malade peut se présenter avec soit des frissons, soit de la fièvre. Il dit qu'il a du mal de gorge, donc il a mal à la gorge. Il peut être soit... Il y a une perte de l'appétit qui peut arriver et il y a une sensation de brûlure que le malade peut aussi dire qu'il sent. Alors, nous décrivons deux formes qui est un peu connue. Nous appelons la forme furieuse et la forme paralytique. Dans cette forme furieuse-là, vous voyez que le virus de la rage attaque plus, c'est un virus qu'on dit un virus neurotrope. Donc ça attaque plus les nerfs. C'est pourquoi il y a cette forme furieuse là qui est caractérisée par des agitations. Le malade est agité. Vous voyez que le malade est excité. Il y a l'excitabilité. Il a même peur de l'eau qu'on appelle hydrophobie. Donc dès qu'il voit de l'eau, vous voyez le malade avoir des sensations d'agitation. Justement, nous allons prendre l'envol direction l'est de la RDC, la ville de Butembo, dans la province du Nord Kivu. On va prendre la main de notre permanente sous place, Francine Moussoa, qui nous signale que la division provinciale de la santé Antenne Butembo insiste sur le respect des mesures barrières pour lutter contre la propagation de la pandémie Covid-19 en milieu scolaire. C'était aujourd'hui lors de son point de presse hebdomadaire sur l'évaluation épidémiologique. Reportage. La situation épidémiologique fait état d'une baisse des cas de la maladie à COVID-19 en division provinciale de la santé Antenne de Butembo. Cette baisse des cas de la maladie n'est pas synonyme de son éradication.
Dame Mumbere Loavo, communicateur de la DPS, veut l'attention des responsables scolaires sur l'existence de cette maladie. C'est dans ce sens qu'il conseille le respect strict de mesures barrières dans des établissements scolaires dès leur rentrée scolaire. Il est vrai que les différents contacts sont à court et que les enfants ne sont pas épargnés, surtout qu'ils ont fait même une bonne période à la maison, ne sont pas épargnés à s'infecter quand ils reviennent du niveau de vacances. Et l'idéal serait vraiment de renforcer cette surveillance au niveau des différentes institutions scolaires, car on va commencer avec les études, les suivis, les thermoflash à la porte, le respect des mesures barrières et consorts. Cela pourrait être vraiment les éléments qu'il fallait renforcer au niveau de chaque institution scolaire. Par ailleurs, elle annonce la rupture des stocks du vaccin AstraZeneca depuis 2 semaines. Mais il appelle la population à la patience car élan important du vaccin Pfizer est déjà disponible en province. Il n'y a pas autre conséquence que d'avoir un bon taux d'immunité. On a dit qu'il y a un taux de protection pour ceux qui ont reçu la première dose et qu'une fois que vous recevez la deuxième dose, c'est là où vous aurez un taux de protection de 95%. La première dose vous protège juste entre 70-80%. Donc c'est vraiment ça la conséquence. La semaine dernière, la DPS a notifié 12 cas positifs, contrairement à la semaine antérieure où l'on avait notifié 23 cas positifs. On va parler éducation, ça y est, c'est fait. Demain, jeudi 30 septembre 2021, les finalistes de l'examen d'État édition 2020-2021 connaîtront leur sort. Aujourd'hui, mercredi 29 septembre 2021, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mouaba, a rendu public la liste des lauréats de la province du Haut-Katanga. Explication, Sylvie Fortuné-Mboula-Ngouma. La publication des résultats de l'examen d'État édition 2020-2021 va intervenir dans les heures qui suivent sur l'ensemble du pays. Déjà pour ce mercredi 29 septembre 2021, le ministre de l'enseignement primaire secondaire a procédé à la publication des résultats de lauréats de la province du Haut-Katanga dans les différentes options. Le ministre de l'EPST remettra ce jeudi le CD de tous les résultats de la République au cours d'une cérémonie qui sera diffusée en direct sur la chaîne thématique de l'éducation nationale. Après 4 semaines d'attente, les finalistes vont devoir connaître les résultats des épreuves passées dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus. Entre-temps, la police nationale congolaise met en garde les finalistes qui vont s'adonner au tapage dans les milieux publics et aux heures tardives. Les lauréats sont appelés à bien se comporter après la publication des résultats de l'examen d'État. Voilà, de nouveau, on va répondre l'Est de la RDC, la ville de Butembo, dans la famille du Nord, qui vous reprend la main de notre permanente Francine Moussoa, qui, à quelques jours de la rentrée des classes dans ce coin de la RDC, est allée faire le constat des opérations achat et vente des fournitures scolaires au grand marché central de Butembo. Nous sommes au marché central de Butembo. Cette rangée, comme dans d'autres parties du marché, est envahie par les vendeurs des uniformes. En longueur de journée, elles s'occupent différemment en attendant les clients. Justine raconte qu'elle vend difficilement 4 pièces d'uniforme. Elle justifie cela par le fait que les responsables de certaines écoles vendent ces derniers temps les uniformes au sein de leurs écoles. Les clients n'arrivent pas comme avant. L'insécurité et le phénomène de vente d'uniformes à l'école empiètent sur notre commerce. Aldegonde pense que cette timidité est liée à l'insécurité dans la province de l'Ituri. Cette année, notre métier a connu d'énormes pertes. L'impraticabilité de la route et l'insécurité en sont de principaux défis.
ceux qui venaient acheter en gros n'arrivent plus. Ils ont perdu des sentiers et des embuscades. Nous ne savons plus que faire. Asifiwe est venue acheter les uniformes pour ses enfants. Elle se plaint de la crise financière qui frappe la majorité des parents à cause de l'insécurité qui prévaut dans la région. Je suis en train d'acheter les uniformes pour mes enfants. Les parents aiment bien acheter les uniformes pour leurs enfants afin qu'ils étudient en étant propres. Toutefois, l'insécurité fait défaut. Que le gouvernement aide à restaurer la paix dans notre milieu. Selon les calendriers du ministre de l'enseignement primaire et technique, la rentrée scolaire est prévue pour le lundi 4 octobre. Ici à Kinshasa, capitale de la RDC, l'avenue Makanza entre Lingessa et Libération Ex, 24 novembre jusqu'au rond-point Molard dans la commune de Bandalungwa, est en train de subir un lifting grâce à l'implication des autorités. On fait le constat avec Aurélien Jondo et Sylvain Kapombobo Sengele. L'avenue Makanza, située dans la commune de Ngiringiri, part de l'avenue Elingessa jusqu'à celle de la Libération Ex 24 novembre, précisément au parking de Molard. Elle réunit les communes d'Ngiringiri et Bandalungwa pour déboucher à Yolo. Cette route, d'une importance capitale, longtemps restée non asphaltée, va bientôt faire peau neuve grâce à l'implication des autorités. Les travaux de réhabilitation ont enchanté les habitants de ces coins de la capitale Kinshasa. Nous sommes les natifs de Makanza. Nous ne nous attendons pas qu'un jour cette route pourra être asphaltée. Voilà pourquoi nous remercions les autorités. Voir l'évolution de ces travaux, nous ne pouvons que saluer l'initiative parce que ça va désengorger d'autres avenues habituées aux embouteillages. De l'autre côté, cette population déplore la lenteur avec laquelle s'exécutent les travaux de réhabilitation de l'avenue Kikwit dans la commune de Makala. Et toujours de déplorer seulement lenteur à niveau et avenue qui quitte. Nous déplorons seulement la lenteur avec laquelle s'exécutent les travaux sur l'avenue qui quitte. N'avance vraiment, ça fait trop mal. Quand la caisse suivi et zate ou financement to yebite difficulté ni oyo bande qu'on a biso bazo sala nzela wana bazel na yango. Il faut dire que la réhabilitation des routes secondaires permettra sans doute la fluidité dans la ville de Kinshasa, habitués aux embouteillages monstres. Toujours dans la capitale, le long du boulevard Lumumba au centre, au boulevard 30 juin au centre ville de Lagombe, les panneaux de signalisation ne sont plus fonctionnels. Le constat à l'arrêt Sabena avec Berger Kamanda, Sylvie Foxunemboulangoma. Au boulevard du 30 juin, la plupart des panneaux des feux de signalisation installés par les autorités pour régler la circulation sur cette artère d'importance capitale au centre-ville ne sont plus fonctionnels. Le cas est celui de l'arrêt Sabena à la Gombe où une confusion règne entre chauffeurs et piétons, surtout aux heures de pointe. Ce feu rouge pose problème. Même si on l'arrange, le problème persiste. Il faudra arranger ça pour que, même à l'absence de roulage, que la population puisse circuler tranquillement, surtout avec la rentrée scolaire qui s'annonce. Cette confusion autour de la circulation rend difficile le travail de la police routière qui a du mal à réguler la circulation. Depuis longtemps, ce problème persiste. Nous demandons aux autorités d'arranger le feu des signalisations pour nous permettre à mieux circuler et à éviter le problème avec le roulage. Aux autorités compétentes d'ouvrir l'œil et le bon pour permettre à la commission de la prévention routière et aux autres services de réparer le panneau de signalisation. Les traçages sur le boulevard éviteraient aussi des accidents mortels et préservent les vies humaines. Jeannot Kassa, Eric Izami Patimbouzi, pour le compte de la rubrique Actualité vue par les autres, sont allés interroger le journaliste Gustave Chibundu de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, deux radios publiques, télévision émettant depuis Kinshasa, qui évoque l'actualité débattue au sein de cette rédaction.
Dans ma carrière, j'ai fait la politique extérieure. Je sais que pour bien asseoir son pouvoir, il y a quatre piliers sur lesquels quelqu'un de plus averti, un chef de l'État, doit s'asseoir. Il y a la diplomatie qui vient en tête, il y a l'armée, il y a le renseignement, mais il y a aussi l'économie. Il faut savoir que la diplomatie coûte très cher. Être dans les avions tous les jours, aller à gauche, à droite, assister à des sommets, à des forums, à des relations bilatérales, ce n'est pas peu de choses, mais ça rapporte au pays la paix, la sécurité, et puis même l'économie. Concernant les marches de la Mouka, bon, il faut comprendre que nous sommes en démocratie. Et en démocratie, il y a la liberté d'expression, la liberté de manifester, la liberté d'association. On va parler sport avec l'Ovalie, le rugby, les tournois, deuxième édition, Yamakasi Top 4 au niveau du rugby de Kinshasa a connu son sort le week-end avec le sacre du rugby club Panther. L'essentiel de cette information nous est livré par Mathurin Daïlamoche. Des rugby à 15 sont tombés samedi au terrain de la police nationale congolaise dans la commune de Lemba. En première confrontation, les élèves des écoles de l'Ovalie ont démontré quelques belles passes. Dans la version féminine, les filles des Panthères ont tenu en échec ceux du rugby club La Source de ça sur la marque de 10 à 7. Tandis que chez le monsieur, en finale, le rugby club Panthère a infligé une défaite à La Source des Sars sur un score de 35 à 5. Soit cet essai réussi. Les organisateurs tirent les leçons de cette édition. Porte est grandement ouverte. On a battu à bonne volonté. On a besoin de soutenir l'œuvre et pour promouvoir la jeunesse. La porte est ouverte à toutes les personnes qui veulent participer pour encadrer la jeunesse. On a rugby club Panthère RDC. Nous sommes disposés pour vous recevoir. Formation place au centre tout. Donc nous sommes là pour encadrer la jeunesse. C'est comme ça que au moins on arrive à tourner Betamaka, à championnat Betamaka. Donc c'est pas la première ni la dernière fois. Porte est grandement ouverte. Le colonel Jean-Didier Pita, le président de la Ligue provinciale de rugby de Kinshasa, est le plus heureux pour le déroulement de cette compétition. D'après lui, le rugby club Panthère a mérité sa victoire devant le rugby club La Source des Sars. Il faut reconnaître que la Fédération congolaise de rugby a apporté son soutien pour la réussite du tournoi Yamakasi Top 4 de la spécialité. Un petit clin d'œil à l'actualité en Afrique avec notre partenaire de tous les soirs, La Voix de l'Amérique, en 60 secondes. En RDC, deux autres personnes ont été arrêtées en lien avec une vidéo du meurtre en mars 2017 de deux experts de l'ONU ainsi que leurs quatre accompagnateurs congolais. Un avocat venu librement se présenter au magistrat et un habitant de Bukonde, le village où avait eu lieu le meurtre, ont été arrêtés. Au Nigeria, une vingtaine de pêcheurs au moins ont été tués dans un raid aérien de l'armée nigériane visant un camp djihadiste dans le nord-est du pays. Un avion de chasse a bombardé dimanche matin Kouattar Daban Massara, un village bordant le lac Tchad, un bastion du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. En Guinée, la junte a dévoilé une charte de la transition vers la restauration d'un pouvoir civil élu sous la direction de son chef, le colonel Mamadi Doumbouya, sans fixer la durée de cette transition. Deux missions principales, l'élaboration d'une nouvelle constitution et l'organisation des élections. Au Mali, le commandant de l'opération Barkhane a rejeté lundi les reproches d'abandon et de décision unilatérale du premier ministre malien Choguel Kokala Maïga pour décrire la réorganisation et l'évacuation des forces françaises du Sahel. Avec Patrick Polidon, Gazami, nous allons faire un petit clin d'œil dans les rayons et bacs de la capitale pour lire les parutions de ce mercredi 29 septembre 2021. Sélection et commentaires, revue de presse, pour Ludo Patin Kassiami. La marche de la Mouka est renvoyée sine die. Liton à la une du quotidien L'Avenir.
À l'issue de la séance de travail tenue hier, mardi 28 septembre 2021, à l'hôtel de ville, fait savoir le tabloïd, le gouverneur de Kinshasa et les représentants de l'ECID, de Martin Fayoulou et de Nouvel Élan de Mouzito ont convenu de la renvoyer à une date ultérieure pour des raisons sécuritaires. Il n'y aura donc plus de marche de la Mouka ce mercredi 29 septembre à Kinshasa comme initialement prévu, écrit Forum des As. C'est ce que Jean-Tini Ngobila a obtenu de la plateforme organisatrice. Et comme le titre si bien La République, le choc frontal a été évité entre Ngobila et Fayoulou. Et par ricochet, l'affrontement entre les éléments de la police et les combattants de l'ECID et de Nouvel Élan est évité. Mais pour combien de temps, s'interroge le quotidien. En effet, le feuilleton des marches de la Mouka est loin de finir, car, apprend-on avec la prospérité, après cette marche reportée, un meeting populaire est déjà annoncé pour le 9 octobre 2021 sur les terrains Sainte-Thérèse dans la commune de Djili. Quant à la marche, renseigne le journal, elle est reprogrammée pour le 16 octobre 2021. Pour Echo News, l'annulation de la marche de ce 29 septembre est un repli stratégique de la Mouka avant son meeting du 9 octobre. La Mouka, qui s'identifie à travers les personnes de Fayoulou et Mouzito, a en effet plus besoin d'incidents que de marches pour fournir à la communauté internationale les preuves évidentes d'une dérive totalitaire en RDC. News révèle l'autre faute de l'inspecteur général des finances Jules Alinguété, celle qu'il qualifie de péché mignon. C'est l'injure publique, allusion faite à son dernier passage sur les antennes de la RTNC où il a qualifié de voleur ceux qui soutiennent qu'il fait du populisme, de l'acharnement et du folklore. Et c'est la faute qui s'ajoute au fait que, selon la plupart des gestionnaires déjà incriminés, ils manquent d'objectivité et n'accordent pas aux contrôlés le temps de présenter leurs moyens de défense. Bonsoir. Pratiquement à la fin de cette grande édition de la soirée, on prend les rappels des titres. Les dossiers RAM registrent les appareils mobiles étaient chauds ce mercredi 29 septembre à l'Assemblée nationale qui a invité le ministre des Postes et Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Kibasa Maliba, pour s'expliquer au sujet d'une taxe perçue depuis plusieurs mois auprès des détenteurs des téléphones mobiles. Fin de cette grande édition de la soirée vespérale de ce 29 septembre 2021 depuis Kinshasa, capitale de la RDC. L'actu reste en continu sur nos antennes. Demain matinalement, vous allez retrouver Patrick Borel Mukendi, moi d'invite à 7h30. À 16h, le Lingala vous sera présenté par Lydia Elambou. Quant à moi, 19h, fidèlement au poste, je serai là pour vous donner de la matière informative. Au revoir et à demain.